Salut les filles! Alors aujourd'hui, pour celles qui ont suivi le pli de la semaine, enfin en tout cas du début de semaine, on fait en fait, enfin je suis dans une phase Disney pour le moment. Donc il y a 12 vidéos qui vont sortir sur les princesses Disney, dans lesquelles je vous fais pas la princesse en général parce que là je vous mets une annotation que vous pouvez retrouver sur l'écran pour retrouver la vidéo dans laquelle je vous montre comment faire le visage de la princesse. Je fais en fait dans ces vidéos-ci un nail art qui peut accompagner ce nail art de visage de la princesse autre que juste une couleur basique. Et donc aujourd'hui, vu qu'hier on a fait Elsa, ben aujourd'hui on va faire Anna. Pour ce faire, moi personnellement, je vais utiliser de l'encre de Chine et un pinceau fin, mais vous pouvez très bien utiliser un cure-dent et du vernis noir. Et j'ai donc appliqué une base très foncée. Parce que je vais faire en fait sa robe, mais pas sa robe en général, sa robe de bal. Donc sur sa robe de bal, elle a des motifs fleuris. Donc là, j'ai pas reproduit exactement ceux qu'elle a dessus. J'ai fait un peu à ma manière. Et il suffit juste en fait de faire des fleurs en fait. Donc moi personnellement, je vais faire déjà une tige comme ceci. Je vais tenter de réussir une spirale. Chose qui n'est pas extrêmement simple pour moi étant donné que le pinceau fin c'est pas encore trop mon truc. Mais ce que j'aime bien justement avec l'encre de Chine c'est que si j'ai vraiment raté, je peux effacer et recommencer en fait. Donc voilà, je viens faire la tige de ma plante. Comme ceci. Je vais faire une deuxième partie à cette plante, mais je vais reprendre de l'encre de Chine pour faire ça. Donc je vais faire comme s'il y en avait une deuxième qui partait de cette plante-là. Et je vais venir faire une tige pour mettre une fleur en fait. Donc celle-là, je vais la faire comme ça, la plus fine possible. Voilà. Et alors comme détail, ben, je vais venir rajouter des petits points que je fais quand même avec mon pinceau fin tout au long des courbes. Et pour finir ce nail art, je vais tout simplement prendre un gros dotting tool. Et là, vous allez être choqués de la différence de couleur, mais bon, voilà. Et je vais venir faire des pétales. Donc là, c'est vrai que la différence de couleur est forte. Mais moi, voilà, c'était comme ça que je le voyais. Et je suis plutôt contente de ce que j'ai fait. Donc voilà. Je vais venir faire des pétales. Parce que c'est vrai qu'elle a une fleur sur sa robe. Et donc voilà, vous voyez un petit peu de plus près les détails. C'est beaucoup plus joli quand c'est vraiment bien bien fin. Maintenant, c'est vrai que j'ai du mal avec les très fins, toujours autant. Hein, on ne change pas les habitudes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous donne rendez-vous ben, demain pour une nouvelle vidéo sur les princesses Disney. Bye!